celebrate, shining so bright like I'm solar. Here is the sun, the moment has come when I feel the hum of the motor. You wanna go for a ride? Better hold tight like you ride a riptide. Ocean and Sky, peux-tu voler et naviguer aussi bien que tu conduis? Véhicule aquatique et aérien, l'océan et le ciel. Les vagues et le vent. Exactement. Et vu que t'es spécialiste du bateau, Bob, la parole est à toi. Merci, Sean. En effet, on commence directement par une bonne petite course de powerboat sur la côte. L'océan est calme, les conditions parfaites pour que nos concurrents nous montrent ce dont ils sont capables. S'ils utilisent bien leur trim, ils vont pouvoir pousser leur machine au maximum. Ces trucs sont super rapides. Et ce bateau juste là, en forme de trident, m'intéresse tout particulièrement. C'est quel modèle? Ce curieux monoplace, mon ami, est une autre création unique du MotorFest. Un hors-bord compact, mais agressif. Water Rocket. S'accrocher.
je sais, c'est pas moi l'expert en bateau ici, mais je dois admettre que cette compétition part vraiment sous les meilleurs auspices. Eh, il y a du talent ici, hein. T'as tout à fait raison, Sean. En plus, Hawaï nous a gratifié d'un temps magnifique. Attention, ça va pas forcément durer. Rocket va passer la ligne d'arrivée. Allez, allez, accroche-toi! C'est Water Rocket, John. C'est sûr. Quel début en fanfare. J'ai pas pris mon café du matin, mais avec ce genre de spectacle, j'en aurais pas besoin. Excellent échauffement, Bob. Et maintenant, on s'envole! Salut tout le monde, c'est Bob Schwartz et Sean Baboulou. Alors, quoi de neuf, Sean? Tout va bien ici, docteur. La première épreuve aérienne vient de commencer. Ce sont des courses individuelles contre la montre et on suit actuellement le concurrent dont nous parlions un peu plus tôt. Allez, Water Rocket, montre-leur ce que t'as dans le ventre! Ça me met vraiment la larme à l'œil de te voir si enthousiaste, Sean. On dirait que tu viens de retomber dans la quarantaine. Ouais, parle-nous un peu de cette course. Eh bien, les conditions météorologiques semblent encore raisonnables. Nos pilotes vont pouvoir profiter de ces beaux courants aériens sans réelle turbulence. Je suis vraiment curieux de voir comment le Challenger Water Rocket va s'en sortir. Bon, voyons ce qui va se passer. Tu crois vraiment qu'un débutant a une chance dans cette compétition? Fais-moi confiance, mon Bob, je le sens bien. Comme vous pouvez le voir, certains des passages risqués impliquent de voler très très près des montagnes. On suit maintenant la crête de la montagne. Un endroit idéal pour le motocross. On pense à vous, les accros de l'off-road. Regardez, c'est ça, Hawaï. Une merveilleuse machine et un très bon choix pour ce vol, n'est-ce pas? On peut remarquer au niveau des ailes un design inhabituel de décalage négatif, ce qui veut dire que son aile supérieure est positionnée derrière l'aile inférieure. Pour la visibilité, je présume. Oui, tu as tout à fait raison, Bob. Entre autres, profitons bien du spectacle, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit une telle antiquité se déchaîner comme ça.
de Lulu vient d'apparaître à l'horizon. Une vue époustouflante. Nous y sommes. Ce vol se termine au-dessus de l'impressionnante aire de jeu du Motorfest. Un grand moment pour le Stagger Wing et son pilote prometteur. Je suis sidéré. C'est Sean et Bob de retour sur l'eau. L'échauffement est terminé. Place à une nouvelle épreuve aquatique. Même concurrent, nouveau parcours, nouveau bateau. Bob ? Oui, je suis chaud et fin prêt pour cette course, Sean. Ah, on voit que les pilotes se battent déjà à fond. Obstacles à éviter. Nous avons ici des modèles de bateaux bien différents de ceux du premier tour. On a visé plus grand, plus rapide, plus agressif. Oui, je vois ça. Regarde ce power boat là. Il a l'air d'en avoir sous la coque. Le Ice Marine Blade Runner 35. Origine britannique, un design ultra efficace. C'est un bateau qui attire l'attention. Attention aux rochers! Passage étroit, prudence. Circuit d'Anaoma, le premier tour est bouclé. Deuxième et dernier tour. Tout reste en jeu. On passe le bonjour à notre ami et collègue Ray Waller, qui commente le tout aussi remarquable championnat motorsports juste à côté sur le circuit automobile. Un vrai professionnel. Je peux presque l'entendre d'ici. Plein droit devant.
Pour nos auditeurs radio, j'aimerais souligner que le paysage ici est absolument magnifique. Ouais, c'est sublime. Ça me rappelle le voyage que j'ai fait à la Barbade avec ma femme Gisèle, il y a une vingtaine d'années. Honneur dans toute sa gloire, j'adore ce bateau. Il faut que je m'en achète un. Je suis pas sûr que Gisèle soit d'accord, Bob. Honnêtement, fallait voir ses couleurs et ce design customisé, mais un vrai chef-d'œuvre. Non, sans blague, cette saison de pâtisserie avec les stars, mais c'était vraiment quelque... Hey, on est de retour en direct et ravi de vous retrouver. Salut, Sean. En effet, on revient pour un deuxième contre-la-montre aérien et un concurrent vient de décoller. Plusieurs pilotes sont déjà passés et pour ceux qui nous rejoignent, on peut vous dire qu'il s'agit d'une épreuve délicate. Pas vrai, Sean ? Eh bien, tu l'as dit, Bob. C'est un vol acrobatique à basse altitude avec un passage à travers le canyon et d'autres surprises. C'est hautement technique et dangereux. Alors, bonne chance, Water Rocket. Qu'elle doit pas être évidente. Oui, en effet, le Motorfest n'épargne pas ses pilotes, et crois-moi, ils ne sont vraiment pas au bout de leur peine. Quel commentateur de talent, un parfait teaser pour la suite.
à présent la magnifique campagne hawaïenne. Elle est superbe, mais attention à ces éoliennes tout de même. Passer cette dernière porte. Superbe performance. C'est incroyable ce qu'Asif que Edge peut accomplir. L'homme et la machine. Ici Bob Schwartz, en direct et prêt pour cette troisième manche de Ocean and Sky. La course a commencé et les 8 bateaux sont déjà en train de sortir de la baie. Oh, je ne vous cache rien, ce sont les joies du direct. Mon comparse, Mr. Baboulou, est actuellement retenu ailleurs. Mais s'adapter fait partie du métier. Je prends donc les rênes jusqu'à ce qu'il nous rejoigne. On prend cette fois le large avec des bateaux beaucoup plus grands, dont l'incroyable Lamborghini Technomar. Vous avez bien entendu, un bateau fabriqué par Lamborghini, inspiré de la superbe Lamborghini Sian. Regardez-moi ce Kraken, les amis. C'est également important de mentionner que la mer est un peu plus agitée que lors des courses précédentes. Les concurrents ne peuvent plus faire avec. Regardez.
jamais vécu ça, ne peut pas imaginer ce que c'est que de naviguer dans de telles conditions, surtout à cette vitesse. Ça leur a pris une éternité pour me faire ce hot dog. C'est quand même pas ça. Hey, salut à tous. C'est Sean et je suis de retour au studio avec mon cher Bob. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, mon ami, on est à la moitié de la course et les conditions météorologiques ne font qu'empirer. Ouais, je vois ça. Non, mais regarde-moi ces vagues. Heureusement qu'ils ont opté pour des bateaux plus costauds pour cette course. Exploiter ses moteurs au maximum. Allez, Water Rocket! Oh, c'est pas bon, la vidéo. Ils ont réussi! Et notre Challenger a manié ce Lamborghini Technomar comme un vrai marin. Tu sais quoi, je crois que je commence aussi à l'aimer, ce Challenger. Chers auditeurs, on est toujours là. Et après une course de powerboat tumultueuse, Hawaii semble bien décidé à en faire voir de toutes les couleurs à nos concurrents. En effet, après une mer agitée, nos pilotes doivent maintenant faire face à des conditions de vol difficiles. Ne vous laissez pas tromper par ce sublime coucher de soleil. De sérieuses turbulences sont à prévoir. Espérons juste que le volcan ne nous réserve pas de surprises désagréables en bas. Avions, volcans et turbulences. Ça fait penser à un titre de bon vieux nanar. Accroche-toi à ton siège, on va prendre de l'altitude. Même notre Challenger Water Rocket est de retour dans le ciel pour ce troisième vol. Dans le cockpit d'un superbe Grumman F8F Bearcat, aussi appelé The Bear. C'est une machine extrêmement fiable. Elle était utilisée à l'époque dans tous les domaines, combat, voltige, course aérienne ou loisirs. Les histoires que cet avion pourrait raconter. C'est certain. S'il pouvait parler, on serait clairement pas déçus. Maintenant, allons taquiner le maître de l'île. La grande montagne de feu. Regarde-moi ça, c'est fou, non? La
folie du Motorfest. Ça m'étonnera toujours. Tu parles de l'avion, hein, Sean? Nous sommes ravis de vous retrouver. On est maintenant dans la baie de Pearl Harbor et les concurrents naviguent déjà à pleine vitesse. Attention, Sean, on y est, la dernière manche de cette compétition. Et il reste encore deux épreuves, en commençant comme toujours par une virée en mer. Regarde cette lumière, Sean. Le jour se lève, plein de promesses, tout comme cette course. L'océan s'est calmé, mais la compétition ne risque pas d'en faire autant. À mon avis, nos pilotes doivent déborder d'adrénaline et de motivation. Bob, rappelons que c'est leur ultime chance de marquer ces précieux derniers points. Tout à fait. Effectivement, les pilotes vont faire appel à toutes les ressources dont ils disposent. Gestion du trim, nitro et leur connaissance de la mer. Pour les eaux peu profondes. Et attention, le passage est plutôt étroit sous ces ponts. J'ai l'œil sur mon favori Water Rocket, qui est sur le point d'entamer son deuxième tour. Je suis avec toi, Sean. Cette fois, notre pilote a un DCB M31. Un excellent catamaran rapide et compact. Pas aussi impressionnant que le Technomar, mais il est bien plus adapté à ce genre d'épreuve technique sur la côte. Du porte-avions. Mais regardez la taille de ce navire. En bateau. Waouh, nous sommes entourés de Raymanta. Un hommage majestueux à la faune locale. Gisèle adorerait ça.
Un véritable balai. Allez, Water Rocket, c'est le moment. Exploite ce M31. Utilise ton trim. C'est la ligne d'arrivée, Bob. Le Pacifique a été dompté. Une course palpitante, Sean. Une parfaite conclusion de la partie aquatique de la compétition. C'est maintenant au tour du dernier challenger. L'avion a décollé et... c'est parti! Regardez cette ligne de gratte-ciel au loin. C'est précisément là que nous allons. Sean, c'est à toi de jouer. Ta passion, ton favori, ton moment. Je suis hyper concentré, Bob. C'est du sérieux, cette épreuve. Comme tous les concurrents précédents, Water Rocket va devoir sortir le grand jeu pour ce vol extrêmement technique à travers la ville. Ça démarre fort. Attention entre ces deux bâtiments. Comme vous pouvez le voir, certaines de ces sections sont très délicates. Le mode extrême s'impose. Maintenant, petit détour par les côtes et retour en ville. La vue est vraiment grandiose d'ici. On a passé la plage de Waikiki et on entame la deuxième moitié de cette boucle. Nous profitons d'une vue imprenable sur le célèbre Diamond Head en ce moment même. Non plus. On descend jusqu'à la rivière, puis gauche toute. Là, ça va se corser encore plus pour notre pilote. Le soleil est maintenant droit devant. Ça ne va pas arranger les choses. Virage extrêmement serré se profile. Il va falloir diriger cet avion complètement à droite. Encore un virage serré à gauche. Des passages les plus corsés. Il faut absolument pas se louper entre ces deux buildings. Eh bien, Sean, on est sorti de la ville. Le plus dur est derrière nous. Oui, tout à fait, Bob. Plus que quelques petites manœuvres, puis il suffira d'atterrir en douceur. C'était un monde dont on se souviendra, Sean. Indubitablement, Bob, un grand final et une compétition qui a tenu ses promesses jusqu'au bout.
nouvelle playlist en vue. On y va.